mes habitudes, aujourd'hui vous verrez que je suis en lunettes. Je suis venu vous présenter cette émission sur base de toutes les demandes que vous avez faites. Les sujets sont tellement alléchants qu'il y a eu beaucoup d'appels et beaucoup de messages. Le samedi passé, nous n'étions pas là. Ce samedi aussi, pour raison de maladie, on est un tout petit peu secoué et un petit problème au niveau de l'œil. Mais par devoir de vous servir, et puisque Conweb aime toujours être à votre service, on essaie de mettre ces lunettes pour que nous puissions quand même paraître assez présentables et éviter la bande qui est sur l'œil, parce que l'actualité est chaude, très chaude. Ronsa Malonda d'un côté, les lois Minako retirées de l'autre, les appels, ça bouge aujourd'hui, la marche de mouvement citoyen, Carbone Béni arrêté. Tout ça, c'est des questions où les téléspectateurs attendent les mots. Au grand marché Zando, comment ça se passe? Kabila et Félix se sont rencontrés le jeudi. Mais qu'en est-il exactement? Jeannine Mabunda fait passer de manière, pour les uns, cavalière et pour les autres, normale et logique. L'enterrement de Ronsa Malonda, n'y a-t-il pas lieu de décréter de web presse? Bon, nous sommes là. Je suis là, Peter Thiel. Et merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous, sur ce plateau. Deux éminents invités. Le premier, c'est un confrère d'hier hein, qui a fait ce métier avec brio. Aujourd'hui, avocat, Maître Laurent Onyemba. Bonjour. Bonjour, mon cher Peter Thiel. Je veux préciser aussi un ami de longue date. Ça fait 20 ans. 20 ans. Je me rappelle encore de notre début. Les plus silencieux et les étoiles ne s'écrasent pas. Je suis très heureux de te savoir, Peter Chan, d'aujourd'hui. Très bien. Tu sais, je faisais rire un ami hier, j'ai dit, bon, quand certains de nos amis arrivent dans le combat que nous menons depuis 20 ans, je me manque un peu d'eux parce que vous dites Kabila est voleur aujourd'hui, Kabila est criminel aujourd'hui, mais vous avez été travailleur avec Kabila pendant 15 ans. Alors, quand vous arrivez dans un combat comme ça, il faut être modeste. Et donc, moi, quand je te vois, je suis très content et très fier de toi parce que je connais tes valeurs. Tu vas y attaquer des confrères qui font... Non, je ne parle pas de confrères. Un excellent travail. Je ne parle pas de confrères. Je parle de nous deux en disant, je suis content de te voir, Peter Thiani. D'accord, maître. Et j'ai trois, quatre choses à dire. Mais bon, Peter Thiani dans le bus, on est en train de monter au campus. Peter Thiani dans l'avion avec moi en Afrique du Sud, Peter Thiani avec moi dans une même chambre à Dubourg, Peter Thiani avec moi à l'Amigo, fait arrêter par Bino Tshibala, Peter Thiani avec moi à Kabulamensh. C'est trop de choses. Wakanda. Merci salut beaucoup. Salut les amis de Wakanda. À Lubumbashi. Merci beaucoup Laurent Onyema, merci de nous honorer aujourd'hui par vos analyses que nous allons décortiquer tout à l'heure. Il est avec nous aujourd'hui, le procureur près le peuple. Moudjadine. Nico Fendikai. Prédicateur national. Comment ça va? Qui a dit des choses qui sont concrétisées. Les gens étaient contre les élections. Les gens ont marché ici en faisant tuer les gens, machine à voler. Les gens marchent en faisant tuer les gens. Oui. Comment vous, lorsque vous savez d'avance que non, ce que nous débutons sont des mensonges. Machine à voler, machine à tricher, transition de 6 mois sans Kabila. Aujourd'hui, l'un est au pouvoir qui avait contesté la machine. Celui qui réclame aussi la soi-disant vérité des urnes avec la même machine. Comment vous le voulez qu'on reste taisant? On ne peut pas rester taisant. Il faut toujours le rappeler. Parce qu'ils ont l'obligation de demander pardon pour avoir menti et fait tuer les gens. Qui doivent demander pardon? Le Rassemblement et les Sangos. Le Rassemblement et les Sangos. Oui. Ils ont fait tuer les gens comment? Machine à voler. Et c'était la machine à voler. Machine à tricher. Et c'était machine à tricher. Nous, vous, non, avec la machine, vous allez faire 6 minutes. Est-ce que vous, quand vous avez eu à voter, avez-vous fait ne serait-ce que 2 minutes? Tous ces mensonges-là ont entraîné des morts. Et vous voulez que ça passe inaperçu? Qui a tué? J'ai dit, on a fait les agents de l'ordre. Les agents de l'ordre ont tué. Ouais. En maison de l'ordre, ils ont tué. Je dis, les engins de l'ordre ont tué ceux-là qui ont été mentis. D'accord. Je remercie la réalisation de Papi Mandeke qui
d'un moment à l'autre va nous balancer certaines vidéos qui vont illustrer ce que nous allons dire ici, qui est déjà auprès de lui, j'espère. Alors, le premier dossier d'abord aujourd'hui, c'est la première question que nous posons, c'est le dossier Ronsard Malonda. Alors, il y avait les lois Minaku, les lois ont été jusqu'à là, je vais dire en berne, hein, on a un peu, on a suspendu, on va y revenir au mois de septembre. Pendant ce moment, on passe Malonda, mais c'est ce tollé général où personne ne veut de Ronsard Malonda. Quelle est la réaction de Laurent Onyemba sur cette question? Je vous remercie énormément parce que vous avez commencé par parler de les propositions de loi de Minaku. Je pense qu'il est de notre responsabilité comme intellectuel, comme scientifique, modestement, parce que le mot intellectuel divise désormais la doctrine, même l'opinion publique, parce que le pauvre Kaloubala dit l'intellectuel, c'est une classe sociale très élevée qui échappe justement à un cercle de détenteurs de diplômes. Ok ? Et donc ça devient finalement quelque chose de plus compliqué de se réclamer intellectuel. Vous avez toujours suivi dans l'opinion que les gens ont l'habitude de se réclamer intellectuel parce qu'il est passé par l'IFASIC, il a un diplôme de graduat. Non, pour lui c'est suffisant, il se réclame intellectuel. D'autres pensent que le diplôme de licence, c'est un chèque à blanc pour se réclamer intellectuel. Mais c'est une société de savants qui prend d'un côté, ok, des atouts et des acquis scientifiques, oui, mais mélanger l'intellectuel, mélanger aux valeurs éthiques et morales. Dans ce pays, nous avons moins de 1% d'intellectuels. Mais l'intellectuel, bon bref, c'est pas un débat. Alors, mais l'intellectuel, c'est pas celui qui sait trouver de solutions à des questions. L'intellectuel, c'est pas celui qui sait trouver des solutions à des problèmes. L'intellectuel, c'est pas celui qui sait répondre à un besoin. Bref, bon, c'est... Déjà, on ne va pas aller, tu sais, hein. Oui, parce qu'à l'universitaire, c'est un chercheur. Nietzsche a dit, hein, celui qui gravit les plus hautes montagnes se montre toutes les tragédies, qu'elles soient réelles ou montées. C'est dit dans la thèse de Kaloubala. D'accord. Maintenant, vous avez parlé des lois de Minaku. J'ai l'obligation scientifique de placer juste un mot en deux secondes. Allez-y. La première chose, c'est que la beauté de la science loge dans la contradiction. Tout ce qui est scientifique a trois choses. Tout ce qui est scientifique doit être démontré, prouvé et contesté. Moi, je dis ceci. J'admire dans toutes les propositions une chose, c'est le fait qu'il y a nécessité d'encadrer le comportement du magistrat qui aujourd'hui, en toute honnêteté, ne se comporte pas très bien, surtout le magistrat du parquet. Est-ce que tu sais que nous parlons budget national, mais dans ce pays ici, Peter Tchani, à l'année, on perçoit de l'argent pour les comptes du trésor public. Tous les commissaires de ce pays perçoivent l'argent pour les comptes de trésor public. Et les sociétés là. Tous les parquets. Moi, j'ai déjà eu à verser des sommes de 5 000, 10 000 en termes d'amende transactionnelle. OK ? Mais quand vous vérifiez les écritures au greffe, on y a mis 300 000 francs congolais. C'est des coulages de recettes. Il faut encadrer ça. Et donc, peut-être la philosophie n'est pas bonne. Deuxième hypothèse dans la loi de Minaku. C'est qu'en fait, les magistrats doivent participer à la confection de la politique criminelle. Et c'est le magistrat du parquet qui est le charnier entre la justice au sens judiciaire et l'exécutif. Mais à quel moment Minaku pêche? Quand toute loi dans l'indifférence, pour légiférer, il y a la grande théorie de l'opportunité. D'accord. Minaku a été au Parlement depuis des temps immémoriaux. Il était même président. Il n'a jamais fait une proposition pareille. Ça crédite aujourd'hui la thèse d'une caporalisation du pouvoir judiciaire comme ce que j'appelle dans mes modestes recherches un état de droit à résidence surveillée. D'accord. Et pour opiner sur ça, il faut être suffisamment documenté, avoir Lucas Imantamba, Djelo Kitete, Bouchab, Kaloubala et tous les autres. On va nous intimider. Alors pour Ronsard Malonda. Pour Ronsard Malonda. Toi, techniquement, tu aimes intimider. Non, pas techniquement. Tu sais, autant que toi, tu peux parler de la politique intérieure. D'accord. Autant que tu peux parler d'un papier, les inputs et les outs, moi, je vais m'interdire. Quand je parle de la Constitution, je demande quand même aussi un peu de filer, les enrober. Je dis ceci, pour Ronsard. Tu as besoin d'une information.
Je dois admettre que nous sommes en train de prôner ici dans ce pays, désormais, la responsabilisation de la jeunesse. D'un côté, je me dis, on a responsabilisé un jeune. Mais la question des ressorts pose problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la procédure. La procédure ici veut dire que la SENCO, parce qu'au niveau de confession religieuse, je viens de proposer sur tout, j'ai proposé deux réformes. La première réforme, c'est que comme le mandat est impératif, le mandat de député, la finalité, parce que je ne sais pas qui a dit dans ces pays que les députés sont des autorités. Je ne sais pas, j'ai même vu le député. Autorité budgétaire. Non, non. Un député est un serviteur. Oui. C'est même biblique. Quand vous voulez être plus grand, soyez le plus petit. Alors, quand on confond un député à mettre des costumes et à fumer les voitures, alors qu'on est incapable de composer deux phrases correctement, d'abord de savoir ce que ça veut dire être constituant, c'est le peuple qui est comptable. Donc, moi, je me dis, je ne m'attaque plus aux gens, aux institutions, je m'attaque au peuple. Notre peuple est amorphe. C'est le peuple qui est amorphe. Donc, le peuple est amorphe, le peuple ne s'assume pas. D'accord. On a volé la victoire aux gens, le peuple ne s'est pas, n'a pas parlé. J'étais sur le même plateau hier, j'ai dit, on a arrêté les gens comme le Franck et Diongo. Le peuple n'a pas marché. On a arrêté Diomi Dongala, Katoum était forcé à l'exil. On a arrêté Kiaviro, on a arrêté Vano Kiboko, Kabone Beni, Peter Tchani. On vient d'arrêter Mukuna. On vient d'arrêter. Non, si, ne me cite pas les noms des gens. Donc je n'assume pas la paternité. Tu as cité Diomi, j'ai laissé passer aussi. S'il vous plaît. Je dis, je ne complète pas Mukuna dans ma liste. Je suis un homme qui vend les valeurs. Je ne peux pas parler des gens qui parlent de questions de sexe. Moi non maintenant, plus, regarde l'essentiel. Moi non plus, je retire Diomi de la Regarde l'essentiel. Parce que Diomi aussi, c'est compliqué. On a arrêté Mouyambo, tu as oublié. Maintenant, regarde l'essentiel, parce qu'il faut que le téléphone comprenne. On chute. L'essentiel, et je chute par là, c'est que, un, la question de Ronsard n'a pas respecté la procédure. Aujourd'hui, la charte qui régit la dimension des conseils religieuses dans la détention de l'animateur de la CENI obéit à la charte. Et la charte a une coordination rotative qui est aujourd'hui gérée par la SENCO. Et cette structure n'a pas saisi l'Assemblée nationale. Il y a donc un problème en droit. Et je pense que nous sommes en train d'aller tout droit vers le Conseil d'État. Première chose. Deuxième chose. Ronsard a été présenté comme kimbandiste ou émanant de la structure de kimbandistes. Vous connaissez la conséquence. On a excommunié la personne qui a désigné Ronsard. Oui. L'église kimbandiste vient de faire la déclaration comme l'église musulmane. Troisième conséquence. Dans une question comme ça, il faut un consensus. Moi, comme modestement un scientifique, j'ai proposé que prochainement, le jour où on va élire le nouveau président de la République, qu'il y ait un bulletin parallèle à côté, même pour cocher, ne fût-ce que le nom des gens qui vont être candidats dans la CENI, pour que, comme nous sommes incapables de trouver des hommes normaux pour gouverner notre destin, nous sommes capables de nous choisir la personne qui va venir. Et donc, pour moi, nous sommes en berne et nous ne pouvons pas encore dire aujourd'hui que le Conseil allait passer. Parce que on a désolidarisé la question de Ronsard et que moi, j'estime que la mobilisation d'aujourd'hui, tu n'as pas été là, moi j'étais Carbone Boni. Carbone a été arrêté. Bon, et puis relaxé. Je n'ai pas oublié que je suis malade. Hein. Non, non, j'ai dit ceci. Voilà. Vous n'avez pas été là, mais moi j'ai été là à la première heure et je pouvais dire qu'on a pu avoir deux, trois t-shirts pour donner aux gens. C'est comme pour dire qu'il n'y a rien qui est défini pour la CENI. Nous sommes dans la bataille et nous entendons voir le résultat. D'accord. Aujourd'hui c'était une sensibilisation, ce n'était pas une marche. Nous nous avons trop les marches. Tu me connais assez. Avec mon œil, c'est compliqué. Aujourd'hui, Nekofa Mbikaï, l'entraînement de Ronsard Malonda pose problème. Maître dit qu'il n'est même pas encore passé, il faudrait retirer. Qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup pour l'opportunité, mais avant tout ça, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1283 jours pour la fin de ce mandat. Mandat, c'est-à-dire mandat du président de la République, mandat du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Au gouvernant, combien avez-vous réservé à la CENI dans le budget exercice 2020? Ici, le Covid n'a que 118 jours. Le budget avait été voté 3 mois avant Covid. D'accord. Je n'aimerais pas que Covid soit un prétexte. D'accord. Et 428 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Et que ces derniers puissent vous ramener le PV pour que ces derniers puissent vous servir de preuve en cas de contestation à la Cour constitutionnelle. Le juge de la Haute Cour
ne vont pas vous accueillir sur la base de vos allégations. Si ce ne sont pas le PV, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. C'est le moment. Ronsa Malonda. C'est ça le moment. Ronsa Malonda. Vous savez, dans ce pays, je suis en train de me dire, sommes-nous dans un état ou bien dans un non-état? Moi, je suis déjà arrivé à la conclusion selon laquelle nous sommes dans un état non-état. Les mêmes personnes qui réclament l'état des droits, de l'autre côté, bâillonnent l'état des droits. Comment? Je suis en train de me dire, la loi doit dire d'abord quoi? Le président de la CENI viendra de la société civile. La société civile. Qu'est-ce à dire? Mais les gens confondent la société civile avec les confessions religieuses. Il n'est pas dit que ne pas être membre de la société civile qu'est membre de la confession religieuse. Non. Mais les confessions religieuses font partie de la société civile. Tout à fait. Je n'élague pas les confessions religieuses dans la société civile. Mais les gens ont la confession pensant que ne pas être de la société civile qu'une confession religieuse. Nous disons, nous, c'est nous qui avons commencé la société civile après la conférence nationale souveraine. Y a-t-il une société civile qui draine de masse plus que l'église catholique, les CC? Attention, attention, s'il vous plaît, vous parlez à un grand scientifique. Lorsqu'on parle de la société civile, oui, ne confondez pas la société civile à l'église, à l'ASBL. Est-ce que savez-vous que l'église catholique est une ASBL? Au même titre, vous ne reprenez pas ma question. Je vous dis, l'église catholique est une ASBL, régentée par la loi portant sur la procureur pour le peuple. Non, s'il te plaît, juste la précision. Parce que toutes ces confusions sèment les flou dans les chefs de mon peuple. Nico, deux questions de précision. La première, les confessions religieuses, oui ou non, font-elles partie de la société civile? Les confessions religieuses font partie de la société civile. D'accord. Deuxième question. Y a-t-il une structure de la société civile qui draine plus une masse que les confessions religieuses? Réunis le 8. Y en a-t-il une? Je dirais non. Raison pour laquelle on leur donne ce cutus-là de désigner, parce qu'on estime, entre guillemets, qu'elles sont majoritaires. Écoutez, attention, vous pas, je dis ceci. Lorsque la loi, vous savez, la force de la science, c'est quoi? C'est les nuances. Dès lors qu'on accepte qu'un individu, une association peuvent être dans la société civile, écoutez, on ne voit pas la grandeur. Alors, si tel était le cas, on reconnaîtrait la supériorité à l'ASBL catholique de prendre à chaque fois la tête de la CENI. Allons-y, Malonda. Quelle est votre position sur ma position, c'est celle de la loi. La loi pour laquelle nous avons fait tuer les gens. Nous devons la respecter. État des droits quid, c'est le respect du premier article de la Constitution au 229e et toutes les lois sectorielles. Il ne faut pas parler état des droits en partie. Et vous, les Congolais, vous avez l'habitude de penser que l'état des droits ne se résume qu'à l'article 220. Malonda, question. Malonda, votre position. Aujourd'hui, c'est la tuité même de ce rappel. Oui. Le train déjà en marche. Votre position. Ma position est la suivante. Si Malonda a été élu sur la base de la loi, pas de si. Il est là. Il est là. On l'a élu. Si est un adverbe. Je dis ceci. Au regard de la loi, donnez c'est lui position. Le président. Attendez. Élu. Nico Faimbika. Je dis c'est lui le président de la CENI, élu jusque-là. Procureur pour le peuple, pour les dignes du peuple. Oui. Ma question est précise. Oui. Pas de si. Nous avons tous l'information qu'il a été entériné. Faut pas dire si. Vous avez l'information. Par rapport à l'information que vous avez, quelle est votre position? Ma position est la chose. Comme la procédure avait été régulièrement suivie, c'est lui le président de la CENI. Donc, vous êtes d'accord que Malonda soit président de la CENI? J'ai dit ceci. Comme la procédure était régulièrement suivie, c'est lui le président de la CENI. Régulièrement suivie, ça veut dire? C'est-à-dire, on a respecté toutes les péripéties. On n'a pas enjambé. Et j'aimerais que, lorsqu'on parle que la procédure avait été vicieuse, qu'on nous dise à quel niveau la procédure avait été vicieuse. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse le malin. L'on accepte les élections, l'on concourt, l'on trébuche, après l'on sursaute et dit que non, ça a été vicieux. Il faut soulever les réserves en amont. D'accord. Pas après. Merci. Sur ce plateau,
un confrère, les gens n'aiment pas que je dise ami, mais en tout cas, permettez que je dise, au-delà d'un confrère, hein, c'est vraiment un ami, même si ces derniers temps, les moyens nous ont un peu divisés parce qu'il assume plusieurs fonctions aujourd'hui. Il est sur ce plateau, il nous avait fouillé un peu dans WordPress. Il est revenu, John Lungela, bonjour. Bonjour Peter, je n'ai jamais pris fuite pour venir participer à une émission, il faut, faut être invité. J'étais invité deux fois, tu ne sais pas là. Non, non, vous ne m'avez jamais appelé. Vous au moins vous dites la vérité au peuple, c'est comme ça que vous avez présenté les choses. Nous, on est là seulement pour mentir et manipuler. On est des envoyés, on nous paye des $50 pour défendre des individus. Mais vous au moins, selon l'opinion... Qui a dit vous êtes, ça vous, non, c'est ça que l'opinion... C'est ça que qui a dit qu'on te paye ça? Mais c'est ça. On a, comme je suis venu ici, on m'a payé $50 pour défendre un individu. D'accord. Donc je ne viens jamais pour défendre la République. D'accord. Oh, je le concède. Okay. Mais il ne faut pas dire que j'ai fui l'émission, non. Vous ne m'avez jamais invité. D'accord. J'ai reçu l'invitation aujourd'hui. Mmh. Pour preuve, je suis là. Je t'avais invité ici, l'équipe technique est consciente. Tu avais eu un empêchement. Tu m'as même appelé à 20h pour t'excuser. Tu as oublié? Faut pas me confondre. Bon, c'est pas grave, John Lungel. C'est pas grave. C'est pas grave. Heureusement que j'ai la bouche pour me défendre. Et c'est pas grave. C'est tout ce qui m'aide. Je suis présentateur, j'endosse tout. La question de Ronsard Malonda. Quelle est la position de John Lungel sur cet entérinement de Janine Mabunda? Je ne peux pas parler de ma position ici. Je vais parler de mon analyse. Parce que je ne peux pas prendre position sur une question. Tu peux prendre position. Je n'ai pas qualité. Non, je suis non. Content que maître soit là. Laissez-moi parler. John, attends. Qu'est-ce qui se passe? On est avec les téléspectateurs. Tout le monde a une position, un avis sur quelque chose. Alors, vous allez... C'est de ton droit. Vous allez me situer... C'est de ton droit. Dans mon analyse. D'accord. Vous savez me positionner les uns et les autres. Alors, prends la responsabilité de me positionner après mon analyse. Okay. Je suis content que maître soit là parce que chaque fois que je suis maître, il a toujours une tendance pédagogique. Ça veut dire apprendre... combler les vides. D'accord. Voilà, apporter de connaissances là où l'ignorance. Oui. Mais il est enseignant. Hein, oui, ça, c'est une vérité. À l'université. En plus. Pour moi, c'est un débat inutile. Parce que nous sommes dans un pays où on est habitué aux contestations. Même l'actuel président de la République, son élection a été contestée. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a même qui mènent un combat de contestation. Ils ne reconnaissent pas le chef de l'État en tant que tel. Et alors si aujourd'hui on peut me dire que Peter Tchani n'est pas le mari de son épouse, je n'ai pas le temps de réfléchir. Si je suis au Congo, je vais dire que c'est normal. C'est un pays où on conteste tout, même la vérité. Même quelqu'un qui a une alliance va contester. Mais je vous dis, on va vous contester. Okay, ça va. Même d'être le père des enfants. Nous sommes au Congo. De père la Malika et ce n'est pas possible. Moi, ça ne m'étonne pas que Rossa soit contesté. Parce que même le premier d'entre nous, son pouvoir n'est pas reconnu par certains. Et donc, c'est tout à fait normal. Mais Maître a dit une chose qui m'a un peu mis en difficulté. Jusque-là, je n'arrive pas à me situer. Il a parlé de deux aspects dans l'élection, parce qu'il n'a pas été nommé, des Rossard. Je n'ai pas compris les deux aspects, où est-ce que vous voulez en revenir, pratiquement. J'aurais bien souhaité qu'il puisse m'expliquer les deux aspects. Non, tu n'avais pas compris ces deux aspects. Non, parce qu'il n'a pas dit. Bon, toi, tes aspects, c'est quoi? Moi, je pense que cette élection a été organisée et Rossard a été promu dans le respect de principes établis. Ah bon? Ça veut dire au départ, il y avait des candidats. Il semble qu'il y avait une vingtaine. 23 candidats. Au fur et à mesure, il y en a qui désistement, certains devaient tomber, écartés, parce qu'on a même connu un candidat, mais qui en 2018, je ne sais pas, était candidat. Donc, il fallait qu'il soit inéligible. En fin de compte, il n'y en a eu que deux et Rossard a eu raison. Il a été victorieux, déclaré. Et qu'est dit la loi? Parce que nous avons un spécialiste de la loi ici. Que c'est l'Assemblée nationale qui doit faire quoi? Entériner. On va suivre tout à l'heure comment on a entériné l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, on n'en a qu'une présidée par Janine Mabunda.
où vous avez des députés, Christel Wang à siège comme député, Daniel Safou siège comme député, Eliezer Ntambwe, ainsi de suite. C'est ce parlement, c'est cette assemblée nationale. Et c'est cette assemblée nationale qui a entériné. D'accord. Voilà. Il peut même y avoir des contestations au niveau de l'Assemblée nationale. C'est normal parce que c'est le temple de la démocratie. D'ailleurs, toutes les tendances y sont représentées. Et donc, ça ne veut pas dire que si une décision passe à l'Assemblée nationale, même s'il peut y avoir 2, 3, 4, 5 députés qui passent pour dire nous ne sommes pas d'accord, ça ne peut pas avoir une tache nulle sur la décision. Parce qu'on est en démocratie, c'est la voix de la majorité qui prime. D'accord. Et Roussard est président de la CENI. Donc il est président, rien n'est pas changé. Et donc je ne vois pas, pour moi le problème se poserait à quel niveau. Et j'aimerais bien comprendre les aspects soulevés par maître pour que je puisse éclairer un peu parce que je suis un peu perdu. D'accord, en attendant que tu sois éclairé, clin d'œil au cordon qui est avec nous, Gilbert Biladi, et clin d'œil aussi à Jojo Jibikilaï de longue date, hein. J'ai même été à sa cérémonie de mariage. Alors, nous allons rentrer du côté de la régie pour voir la manière dont Ronsa Malonda a été entériné par l'Assemblée nationale. Vous jugerez vous-même. Et on va revenir sur le plateau pour reprendre Maître Laurent Niemba. Le deuxième élément, ce sera la mobilisation du mouvement citoyen, mais on va prendre cet élément vers la fin. On prend l'image de l'entériné de Ronsa Malonda. On se retrouve tout juste après. A tout de suite. Voilà, merci beaucoup Mandeke du côté de la régie pour ce bon travail. Vous avez suivi la manière dont on a entériné Ronsa Malonda, vous avez suivi. Et puis la deuxième image, c'est la sensibilisation qu'il y avait aujourd'hui avec le mouvement citoyen. Le Vrai Journal était sur terrain pour prendre les images, Maître Laurent aussi était sur terrain. Et on a vu comment la police s'est comportée, mais on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Ensuite, Carbon Beni a été arrêté, mais nous apprenons que Carbon Beni a été libéré. Nous allons essayer de le joindre de manière exclusive en direct maintenant pour avoir l'info. A-t-il réellement été libéré et pourquoi l'a-t-on arrêté si réellement il était arrêté? Donc nous allons essayer d'avoir Carbon Beni en direct de Web Press pour la précision. Avait-il été réellement on nous fait signe qu'il est occupé, c'est le direct. Fidèle téléspectateur, avant que nous puissions avoir aussi la réaction des invités sur ce plateau, nous essayons de joindre le
responsable de Filimbi ici à Kinshasa, Carbone Béni, si le réseau ne nous dérange pas. Voilà, nous allons... Allô? Allô, Winder. Carbone Béni, bonjour. Bonjour, c'est Winder. Comment vous allez? On se porte bien, je vais bien. Après l'activité d'aujourd'hui, ça va à part la fatigue. Ah, alors, Carbone, vous êtes en direct de WebPress, nous sommes en direct sur Congo Web Télévision. Première question, est-ce vrai que vous aviez été arrêté? Nous avions été arrêtés, effectivement, moi ainsi que d'autres camarades de Filimbi, de Lucha, de Congolais Debout et quelques citoyens congolais qui ont pris part à cette activité. C'était aux alentours de 11h47 après que nous ayons franchi le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple. Voilà. Alors, on vous a arrêté pourquoi et votre activité était quoi exactement? Notre activité portait sur deux choses. La première, c'est que le choix de M. Ronsard Malonda, qui est un choix qui passe avant le réforme, avant l'évaluation du processus électoral, avant le réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ces choix ne peuvent que nous conduire demain à des élections bâclées, à des élections moins crédibles. Donc, première chose, nous avons manifesté pour que ces choix soient retirés, que ces choix ne soient pas entérinés par le président et que nous puissions faire voir à la population que le peuple n'est pas d'accord. Enfin, à travers cette activité, de préparer de grandes activités la semaine prochaine. Deuxièmement, c'est pour interpeller Mme Mabunda qui, pour nous, devrait démissionner lui, elle, plutôt, et son bureau pour avoir défié à la fois les députés, c'est un manque de respect pour ses collègues honorables, aussi un manque de respect pour le pays, un manque de respect pour la nation, parce qu'elle répond absolument des ordres de son autorité morale. Voilà. Alors, on vous a arrêté, on vous a reproché quoi? La police, il faut dire ici que la police... elle est à féliciter d'abord parce que vous savez, nous avons appelé à cette manifestation hier à partir de 16h qu'on a sorti le communiqué. La police était surprise par cette communiqué, par ces communiqués, mais la police s'est dit qu'elle pouvait quand même discuter avec nous, collaborer avec nous afin de pouvoir éviter les gaz et les altercations. Elle nous a accompagnés depuis la 16e rue, la place de l'échangeur limité. Là où nous avons commencé avec un millier de manifestants, calmement, sans casse, en encadrant très bien les manifestants, dans une collaboration franche, jusqu'à cette répression. Mais pourquoi la répression qu'il y a eu? C'est parce que la police était déterminée à ce que nous n'arrivions pas au palais du peuple. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, bon, si vous ne vous arrêtez pas ici, nous, on va devoir vous réprimer. Malheureusement, la répression a été brutale. Ils n'ont justifié d'ailleurs parce que la marche était non violente et pacifique. Alors ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient que nous arrêter, en fait nous interpeller là, pour nous disperser. C'est comme ça qu'ils nous ont pris, ils nous ont brutalement mis dans la fourgonnette et finalement on a été relâché après 2h30. Tout le monde a été relâché. Tout le monde à ce jour a été relâché, mais il y a un militant qui est encore à l'hôpital parce que brutalisé, il a eu à subir un coup, il a reçu un coup à la tête et il est en train de faire le scanner pour voir si c'est grave ou pas. Et à un certain moment, il avait perdu le contrôle, il avait même, il s'était évanoui et ça va, lui il est à l'hôpital. Mais les autres, il y a des pertes de biens et c'est vraiment déplorable que la police continuer à voler ou à prendre le bien des citoyens dans leur poste quand ils sont interpellés, les téléphones, de l'argent, des pièces d'identité, de porte-monnaie ont été emportés et ça, c'est important que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le président, améliore les conditions des policiers au lieu de continuer à rajouter de sommes colossales aux députés et aux membres du cabinet du président, inutilement d'ailleurs. Carbone Béni, merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'était la précision. Carbone Béni, qui était aux arrêts, relâché avec tout le monde.
un seul militant qui est à l'hôpital. Maître Laurent Nyemba, vous avez suivi vos deux co-débatteurs. Vous avez trois minutes, pour rebondir sur la même question, Vincent Malonda. Les autres étaient dans la rue, ça posait problème. D'abord, je partage la douleur de notre ami qui a été interpellé. Déjà, nous étions hier au niveau de la mobilisation, et moi-même, je suis descendu ce matin. Je suis parti chez moi à 5 heures. J'étais avec Carbone Béni. L'incident arrive juste quand moi je suis parti ravitailler en t-shirt, parce que nous avons dit que la marche devait être colorée, justement de t-shirt blanc, pour donner un sens à la mobilisation, sur le fait que c'est vraiment une mobilisation pacifique et que nous voulons les choses, que les choses se fassent dans les normes. Vous reprochez quoi, Malone? J'ai entendu ici le reproche, mais j'ai tout de suite l'impression que John est venu vraiment préparé pour dire bon, je vais rencontrer Laurent et donc je vais aller dans son champ. Parce qu'ici, nous ne répondons pas aux invités. Nous répondons aux questions que nous posent les journalistes. D'accord. J'ai donné mon analyse en disant que nous n'avons pas beaucoup de temps. En trois minutes, tu ne peux pas expliquer le processus tel qu'il devait se faire. Tu sais, la loi a l'esprit et la lettre. Alors, un mathématicien, même s'il devient sorcier, il n'en dégage pas l'esprit. Il y a un cursus qu'il faut suivre pour comprendre. Ici, vous avez entendu les choses ici, je ne réponds pas, mais je crois que chacun va comprendre de quoi il s'agit. Je dis ceci. D'abord, les gens qui ont l'impression qu'on est contre la personne de Malonda. Qui peut être contre un compatriote? Un jeune de surcroît comme nous? Il a l'expertise. Mais le problème qu'il faut est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quand on atteint un niveau, entre guillemets, des gens, parce qu'on peut même parler des co-débatteurs, parce que la science et l'intellectualisme, c'est des concepts très flous, on ne sait pas y accéder par une proclamation diplomatique. Ok? Mais quand on a la présomption d'avoir les mêmes batteries de réflexion, je suppose qu'on se met d'accord sur des postulats. Qu'est-ce que je dis? Que personne ne peut aller ici faire une réflexion définitionnelle pour dire non, les gens confondent des confessions religieuses et société civile. Nul ne peut faire la discussion autour de ce que ça veut dire la loi. Parce que la loi, on va ici faire un commentaire, je vous l'ai dit, même linguistique. Non, non. On connaît, tout le monde, un Congolais normal connaît les processus pour qu'on désigne le président de la CENI. Oui. Ça, c'est de un. De deux, personne ne me répond quand je dis qu'il y a eu un problème. Le premier est à quel niveau? La qualité. J'ai entendu John, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup dire, qu'il y a eu des petits soucis, mais ça peut passer. Moi, je suis spécialiste des questions de justiciabilité des actes. Et donc, quand j'ai mis un avis, modestement, c'est un avis d'autorité. Quand les actes qu'on pose ont des conflits, ou j'en ai des conflits, des compétences, des procédures, il y a un juge compétent. Il y a des conséquences qui sont identifiées en droit. Les confessions religieuses générales, c'est pas sur les péripéties de on a nommé tel, on a retiré tel, tel a été nommé, tel a eu des voix. Parce que nous savons qu'il y a même des soupçons de corruption. Et ça a été dit. L'argent a circulé. Oui. Et nous savons que pour arriver à ce niveau-là, ok, il faut être porté par une église de réveil. Ou une structure de la société civile. Ce sont un des critères qui désignent ou qui participent à la confection de cette candidature-là. Maintenant, on a éliminé des gens en fonction des origines ou des critères. Soit on vérifie comme on a éliminé M. Yalé, il était candidat sur une liste d'un parti ou d'une structure politique, je ne réponds pas aux critères, et on a procédé. Maintenant, je ne rentre pas dans la marmotte ou dans la marmite de la confection de la fraude, parce que c'est d'avoir rien mangé. Mais je dis ceci, en droit, qui a la qualité, parce que il y a un trait d'union, une charnière entre les structures qui sont censées désigner, et ici en droit on appelle ça le pouvoir lié. Même le chef de l'État dans cette matière a le pouvoir lié. D'accord. Il ne peut pas nommer quelqu'un qui n'a pas été désigné. Donc en droit, c'est un pouvoir lié. Okay. Il prend l'ordonnance pour investir la personne qui a été entérinée par l'Assemblée nationale. C'est une succession en droit de pouvoir lié. Maintenant, moi, je dis ceci.
Quelle est la structure compétente aujourd'hui dans la coordination de cette structure-là qui peut ou qui a la qualité de saisir l'Assemblée nationale? C'est la SENCO. C'est la SENCO, oui. Dans la coordination rotative, oui. Telle que prévue par la charte. Exact. Cette charte-là est conforme à l'esprit des textes légaux en la matière. Premier problème. Deuxième problème, parce que John avait besoin de ces précisions-là. Deuxième problème. Nous sommes dans un domaine où il faut absolument dégager, au-delà de la volonté des animateurs, parce que nous savons qu'il y a une majorité fabriquée au Parlement, qui n'est qu'en fait une structure de cautionnement des points de vue des politiques. Est-ce qu'il était impossible de trouver un consensus par rapport à cette question-là, au lieu de faire un forcing? Troisième chose, ce n'est pas parce qu'on conteste tout qu'on va justifier le fait que Mayonne devait être contesté. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter la contestation? D'accord. En respectant justement aussi bien la procédure, okay. Mais aussi en obéissant à la volonté de ceux qui pensent que nous avons mis l'argent du contribuable congolais à la hauteur de plus d'un milliard de dollars. Oui. Corneille Nanga ne peut pas passer par l'audit. C'est un principe. Cet argent-là, il est allé où? Est-ce qu'on ne peut pas en savoir plus? Deuxième chose, comment vous voulez qu'on désigne l'animateur, ok, de celui qui est censé être le porte-étendard de la confection de la volonté démocratique d'un État sans consensus et sans réforme? Et je préviens ici que pour répondre à ces questions, ça ne suffit pas de faire. Je suis rassuré du côté de John, pas que je sais que c'est quelqu'un de plus dialectiquement, beaucoup plus posé, il va répondre. Okay. Par rapport à des incantations que j'ai entendues ici, je suppose que chacun devra, au regard de la loi, et avec une certaine intelligibilité, répondre pour la consommation du grand public. Il faut répondre avec intelligibilité. Il faut éviter des incantations, Nico Faimbikaï. Tu as suivi Maître Laurent Onyeba. Donc, il y a des éléments qui étaient que la désignation de Ronsard Malonda pose problème. Mais la grande question est celle de savoir si déjà c'est lui qui doit mettre à la place publique réellement le suffrage du peuple. Lui-même, sa désignation pose problème et on parle de tricherie. Comment cette personne peut-elle être en mesure de donner de vrais résultats? Je suis effondré. Estomaqué. Oh. Ahuru. Faut éviter et effaré. Faut éviter les incantations. J'attendais qu'il dise les deux niveaux de vice, mais il n'a pas cité les deux niveaux. Qui? Laurent. Il a dit deux niveaux, mais il ne les a pas cités nommés pour que le téléspectateur puisse entendre. Il s'est lancé dans les divagations. Ici, c'est la précision. Voilà la précision. La concision. La SENCO qui devait écrire à l'Assemblée nationale, ce n'est pas la SENCO qui a écrit pour cet entérinement. Pourquoi il n'a pas écrit? Écoutez, est-ce savez-vous que le candidat Cyril Ebotoko était présenté par la SENCO? Il a compéti. Il a trébuché. Savez-vous que le candidat Cyril Ebotoko était le candidat de la SENCO? C'est celui qui a compéti en dernier lieu avec Ronsard. Ici, je ne défends pas les individus. Parce qu'il ne faudrait pas que l'État congolais devienne une histoire d'une clique de gens. Je suis d'accord si mon candidat est élu, et ça devient mauvais lorsque mon candidat trébuche. Je vous pose la question. Non, vous ne me posez pas la question. Écoutez, je réponds. Vous répondez à mes parce questions. Parce qu'il y a le mensonge, vient souvent avec précipitation. Mais la vérité vient avec retard. Okay. Il faut que les téléspectateurs sachent que. Dis la vérité alors. Il y a eu deux candidats. Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu consensus. Il n'y en a pas eu 23. Écoute, il y en avait 23 au départ. D'accord. Mais au finish, il y a eu deux candidats. Ronsard et Cyril Ebotoko. Le candidat de la SENCO. La SENCO n'a pas contesté quand il y avait élection. La SENCO a contesté. Après qu'il y ait élection, après qu'on ait voté, d'accord. Après que Ronsard ait eu 6 voix, oui. Après que Ebotoko ait eu 2 voix, okay. Quelle valeur juridique? Parce que nous parlons en droit. Okay. Quelle valeur juridique? Question. Quelle confession qui avait présenté son candidat et que son candidat ait échoué
Parce que ce n'était pas le consensus, c'était l'élection. Okay. Parce que le consensus, c'était mode aussi d'accession au pouvoir. Tu l'as dit. Non, non, s'il te plaît. Ici, c'est la science, la vraie science. Tu as dit qu'ils étaient à 8, 6 ont voté ensemble. Ils ont entendu le dire, il y a consensus. Mais je vais te poser des questions sur le consensus et l'élection. De ce que lui a dit. Mais c'est ça. Écoute, tu as dit. Il n'y a pas eu consensus, il y a eu élection. Mais tu l'as dit. Oui. Et tu as même dit qu'il a été voté à 6 voix, non? Oui. L'autre 2. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je vais poser la question. Lui dit que parmi les 6 votants-là, l'église protestante et kimbanguiste, ils ont suspendu le monsieur qui a voté parce qu'ils disent qu'il n'avait pas qualité. S'il vous plaît, ne nous ramenez pas dans le débat de Fekodi. Nous ne sommes pas devant le palais du peuple. C'est faux ou c'est vrai? J'ai dit ceci. C'est faux ou c'est vrai? Écoutez, si on a suspendu. Non, pas de si. Je vous dis ceci. Écoutez. Charles, tu as dit qu'on ne nous ramène pas dans le débat de Fekodi. Mais je vous dis non. Le si, c'est le débat de Fekodi. Oui. La télé, c'est la précision. Oui. Vrai ou faux? Si on, écoutez. Pas de si. Écoutez, un scientifique ne répond pas de la manière que vous dites là. Si moi, si vous étiez mon étudiant et que vous m'ayez donné une réponse par oui ou non, sans justifier, je vous collerai zéro sans négociation. Dans le journalisme, c'est les faits. Écoutez, mais je vous dis non. Si vous étiez mon étudiant, je vous donnerai zéro sans négociation. Mais qu'on fait Mbikaï. Heureusement que je n'ai pas été ton étudiant. Oui. Et la question est celle-ci. Dans le journalisme, c'est les faits. Et il y a une déclaration de l'église kimbanguiste qui dénie au monsieur qui a envoyé le document, qui a désigné au rassemblement de la qualité. Ils l'ont même mis dehors. Vrai ou faux? Vrai. Laurent dit que cet aspect-là, oui, ça note des tâches dans la désignation de Ronsard Malonda. C'est ce que lui dit. Ça veut dire que le cycle... Vous plus de temps que nous. Je te donne la part. Je te donne, c'est vous, je prends les idées si j'amène là-bas. Et puis John va parler. Oui. Parce que c'est lui qui va conclure tout ce que vous dites. Oui. Alors là, sa préoccupation, c'est le fait qu'il y ait déjà un qui pose problème. Il n'avait plus 6. Comment on peut dire qu'il a 6? Réponse. Non, non. La soi-disant suspension que vous évoquez est-elle venue en amont ou bien en aval? Écoutez, vous venez avec la culbutine des choses. Et ceux-là qui disent ça, ce sont les gens qui mentaient ici que nous n'irons pas aux élections avec la machine. S'il te plaît, Nico, il faut le rappeler. Nico, c'est le même mensonge qu'on menait qu'on nous dit. J'ai dit ceci, votre soi-disant suspension-là, oui, est-elle venue en amont ou bien en aval? Voilà, voici la précision. Visiblement, tu n'avais pas suivi l'élément. Je vous dis. Voici ce qui s'est passé, parce qu'il faut aider les téléspectateurs. Mais dites-moi, c'est quoi, carrément, en amont ou bien en aval? C'est moi qui dirige l'émission. Oui. Attendez, calmez-vous. L'église kimbanguiste, après avoir appris qu'il y a quelqu'un qui a désigné Ronsard, l'église kimbanguiste dit que la personne qui a désigné Ronsard, ce n'est pas notre désignation. On sanctionne cette personne. Écoutez, est-ce que d'abord, pouvez-vous sanctionner quelqu'un qui n'avait pas qualité? Si vous voulez, vous n'avez pas reconnu. C'est-à-dire, ce qu'on peut comprendre, vous, la vérité est là, vous voulez aller ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, que peut-être j'estime que la position de... C'est peut-être le choix porté par celui que l'église avait, peut-être n'était pas celui-là. Mais moi, je retourne la question. Cette soi-disant suspension est-elle intervenue avant les élections ou bien après les élections? Je te donne la précision. Alors, si tel est le cas, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans l'église qui manquait, c'est nous embrouiller. Hein? Je dis ceci. L'église qui manquait, c'est nous embrouiller. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Très bien. Si vous avez mal donné le mandat et que le mandataire n'a pas agi conformément, écoutez, vous devez subir les conséquences. Très bien. Il ne faut pas retarder le pays avec ces genres de bouffonneries. Ce sont des bouffonneries. Il y a des questions essentielles touchant au vécu quotidien de mon peuple où n'étais-je pas beaucoup d'importance. Est-ce que moi, j'ai près de 30 ans dans cet univers. Moi, j'ai participé à la conférence nationale. J'étais assistant de Mondo Kouyous. À la conférence nationale, Monseigneur, nous l'avons soutenu de l'église catholique. On connaît la suite. Troisième voie. Mal ou 1. Il y a eu toujours le même problème. Ngoyimulunda, on a connu les mêmes contestations. On connaît la suite. Les élections étaient crédibles. Mal 2. Écoutez, les problèmes de la crédibilité des élections, même si Ronsard on l'éliminait, celui qui viendra reconnaîtra toujours les mêmes problèmes. Vous voyez la malhonnêteté des gens. La Mouka qui n'avait jamais reconnu Antoine comme président, mais pour besoin de la cause, ils disent que, non, que le président de la République, voilà comment ils disent, hein, la Mouka dit que le président de la République n'aime pas Ronsard. Quelle malhonnêteté! D'accord. On l'a méconnu depuis tout ce temps,
Mais maintenant, pour besoin de la cause, on reconnaît en tant que président. Écoutez, il ne faut pas tournoyer autour du pot. Moi, je veux qu'on aille vite aux élections. Il reste 1383 jours. Que ceux-là, j'ai dit que chaque parti politique, le parti politique doit faire élèvement politique. Préparer, implanter le parti partout, payer. Ce n'est pas la personne. Vous pensez que Malumalu 1 était mauvais, Ngoemulu 2 était mauvais, Malumalu 2 était mauvais, Mwenani Corneille était mauvais. Et qu'est-ce qui vous rassure que même si on a la guerre, on sort, quelqu'un d'autre que l'on va élire va-t-il bien se comporter? Le travail se situe au niveau de partis politiques et groupements politiques qui doivent faire leur travail. Est-ce qu'il ne fallait pas avoir des élections réellement crédibles? Le problème de notre pays, vous allez voir un mécanicien qui va porter toge et dire j'ai qualité pour aller défendre mon client devant un juge. C'est ça le problème dans ce pays. Ça veut dire on veut confondre les institutions de la République à nos partis politiques. Ça veut dire j'ai été où je suis. Attendez. Il faudrait pas que tu te contredis. Attendez, ça. Je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. La CENI est une institution, une structure technique. Ça veut dire qu'il faut mettre la CENI loin de la politique, la polémique politicienne. Parce que je sais qu'on dit Christopher Ngoï, il faut dire la vérité au peuple. Christopher Ngoï est en train de répandre de la nouvelle partout. Il cherche le soutien, il mène un lobbying souterrain pour qu'il soit président de la CENI. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer ces pays. Ce n'est pas comme ça. Je vais terminer par là. Il faut que je vais donner les informations au peuple. C'est ça, parce que c'est ce que je sais. Tu sais quoi? Christopher Ngoï est en train de mener un lobbying pour qu'il soit président de la CENI. C'est mauvais. Mais il y a une procédure. Mais c'est mauvais. Le problème, il y a une... Les ambitions sont permises à tout le monde. Si vous ne voulez pas de Malonda, de Ronsard, il faut qu'il soit remplacé par qui? Et il doit venir d'où? C'est ça le problème. On dit Malonda, c'est quelqu'un du FCC. Il faut dire la vérité. Depuis quand Malonda était un acteur politique? Parce que dans ce vote, parce qu'il n'y a pas eu consensus, il fallait remplir un critère. Tous les candidats qui n'ont pas rempli les critères ont été écartés. Mais Malonda a été gardé. Il semble que c'est le cardinal Ambongo qui a organisé ces élections, c'est vrai. Il était là. Vous avez toutes les informations, vous pouvez nous préciser, c'est vrai. Il avait suspendu. Le cardinal. Il avait suspendu. Mais tu n'as pas l'information, non? Vrai ou faux, ça a été suspendu. Vous donnez la bonne information. Vrai ou faux, attendez. Vrai ou faux, ça a été suspendu. Attendez, je te donne la parole, je te protège de... Attends, s'il te plaît. Cyril et Botoro, il était un candidat. Pour éviter les incantations. Donc, Malonda a compéti jusqu'au final. Heureusement pour lui, il a gagné les élections. Mais c'est quand Malonda gagne qu'on dit il n'a pas qualité, il n'est pas ceci. Non, c'est quand même un monsieur. Vous avez vu son CV? Avez-vous visité son CV? Son CV a fait il pas. A le profil. C'est un Congolais qui peut nous aider pour la CENI. Parce que c'est l'un des meilleurs d'entre nous sur la question électorale. Petite question. Je pense qu'aujourd'hui. Petite question. Oui. La manière dont on a vu, on est en train d'entériner Malonda à la télévision, à l'Assemblée nationale, ça t'honore, toi? Non, mais vous savez comment Kabunda a été évincé là-bas? Tu n'as pas répondu à ma question. Il y a eu échange de biceps là-bas. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est de la même manière. Ça a été comment? La Cour constitutionnelle l'a même approuvé, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, le vote de Kabunda, du premier vice-président. Je te pose la question. Ça s'est passé comment? Je te pose la question. Il y a eu échange de biceps.
C'est le plus important, c'est l'Assemblée nationale, c'est les débats. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. D'accord. Malonda ne pouvait pas passer à l'unanimité. Nous sommes en démocratie, on allait parler de la dictature. Mm. J'ai rappelé tout de suite que même notre chef de l'État est contesté jusqu'à aujourd'hui. Non, il n'avançait plus. Jusqu'à aujourd'hui, il est contesté. Mm. On dit que ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. On nous dit même que c'est Jacob et Isaou, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, on a entendu si Malonda peut connaître, subir le même sort, c'est tout à fait normal. Mais le plus important, ce sont les élections, c'est en 2023. Même des réformes, qui doit initier des réformes? Merci. Si la CENI n'a pas de bureau, le bureau n'est pas installé légalement et légitimement, mais d'accord, qui doit porter les réformes qu'on doit opérer à la CENI? D'accord. S'il n'y a aucun animateur, aucun dirigeant. Très bien, on a compris. Maître Durand, un petit mot, vous voulez dire un petit mot? Oui. Donc, juste une minute. Juste une minute. Mmh. Je voulais dire ici que j'ai pensé que John allait réagir parce qu'il m'a posé la question sur mes deux principes que j'ai posés. Malheureusement, il n'a pas répondu. Moi, je dis ceci. Deuxième chose, parce que nous devons chuter dans la bonté. Il ne faut pas que Nico confonde ce que Roger Lumbal a fait, ce qu'il fait, à ce que nous disons ici. Nous sommes des intellectuels, on parle pour le peuple. Tu sais que Nico, il n'y a pas deux Congolais qui ont accès au Félix. Ils sont pour mettre le rang, mais ils sont faits pour le Félix. Attendez. Non. Les gars foudroyants. Il n'y a pas deux Congolais qui ont insulté Félix, c'est comme Nico Fay et Roger Lumbal. Lumbal a dit que Félix, son conseil intellectuel est comment? Et tu sais que Nico, les comptages qu'il fait, c'est contre Félix. Mais et tu connais ce qu'il a fait. Maintenant, quand il dit à la Moka, mais il faut être discipliné. Non, c'est pas comme ça. Sois discipliné. Oui. Sois discipliné, tu n'es pas journaliste. Et puis, c'est la dernière fois que je viens quand il est là. S'il te plaît. Mais moi, je vais te dire ceci. Nico, Nico. D'accord. Je retire pour vous. Nico, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est moi qui parle. Non. Mais il s'est calmé. Mais il s'est calmé. Calme-toi. Non. Mais calme-toi aussi. Évitez cette calme-toi. Il y a des messieurs qui se connaissent, mais qui... Tu fais le débat avec moi maintenant. Non. Respecte tout le monde, le présentateur. Vous sentez qu'il y a une... Respecte le présentateur, Nico. Respecte-moi. Merci. Alors, respecte-moi le présentateur. Respecte-moi au moins. Mais, t'es là.